Dis donc, Bernard, ça ne t'ennuierait pas de me prêter ta cravate, tu sais, la rouge. Oh, tu sais bien que tout ce qui est à moi est à toi depuis le temps, Sylvestre. C'est gentil. Voilà ma cravate rouge. Merci. Fais-y attention, c'est un cadeau de ma mère. Oui, ne t'inquiète pas. Dis, ça ne te privera pas, au moins. Non. Puisque c'est aujourd'hui qu'on enterre l'année, moi je mettrai plutôt une cravate noire. Oh, qu'est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? Mais si, ça va. Quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce revolver ? Rien. Je le suis offert pour mes étrennes. Bernard, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe ? Allons, allez vite ton sac. Qu'est-ce qu'on t'a fait ? Raconte. Monique me trompe, mon vieux. Monique ? Oh, tu es sûr ? La femme qui t'aime refuse de passer les fêtes de fin d'année avec toi. Qu'est-ce que tu en conclus ? Moi ? Oh, mais rien de particulier. Je me dis qu'elle a sans doute l'habitude de fêter le jour de l'an en famille. C'est tout. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Famille. Qu'est-ce que tu entends par la famille ? Eh ben, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son oncle, ses parrains. Et son fiancé, hein ? Il n'est pas le premier à faire partie de la famille, non ? Si, ça, bien sûr. Et puisque c'est toi... Ben justement, c'est moi le fiancé. Et je ne suis pas invité à la fête. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui sert de famille à Monique à ma place. Alors, ne t'énerve pas, Bernard, voyons. Je suis certain que tu te trompes. Et moi, je suis certain qu'elle me trompe, elle. Oh. Seulement, elle ne me connaît pas, la douce enfant. Je ne suis pas l'imbécile qu'elle imagine. J'ai acheté un revolver et dès que je les pince tous les deux, je leur règle leur compte. Mais tu es complètement fou, Bernard, voyons. Ça te mènera aux assises. On ne craint rien, je me ferai justice avant. Oh. Oh, ben merci bien. Ah, c'est sans doute parce que c'est aujourd'hui ma fête que tu t'amuses à me donner le cafard. Oh, je te demande pardon, Sylvestre. Écoute, on reparlera de ça plus tard. Hein. Tu as rendez-vous avec une femme, peut-être ? Non, avec ma cousine. Ouais. Ou une vieille cousine que j'ai retrouvée par hasard l'autre jour au musée des monuments français. Ouais. Elle vit toute seule à Paris et j'ai pensé que ce serait charitable de la sortir un peu, enfin, surtout pour le réveillon. Bien sûr. C'est pour elle que tu mets une cravate rouge. Ben oui, elle y voit plus très clair. Ah. Alors, il lui faut des couleurs vives. Et c'est pour elle que tu m'as demandé de louer une voiture. Ben, je te l'ai surtout demandé parce que je n'ai pas de permis de conduire. Moi, on n'aurait rien loué du tout chez Deloc. Non, mais dis donc, suppose que tu aies un accident en promenant ta cousine ou que tu te fasses arrêter par les flics. C'est moi qui écope. Oh, écoute, tu vois vraiment tout en noir ce soir. Allons, Bernard. J'ai pas de permis, mais je conduis depuis 15 ans, donc j'aurai pas d'accident. Ensuite, on n'arrête pas les gens la nuit de la Saint-Sylvestre, tu le sais bien. Tu es quand même culotté. Enfin, voilà les clés de la voiture, la carte grise et la vignette. Merci. Elle est devant la porte. Merci, mon petit vieux. Tu es vraiment très gentil. J'oublierai jamais ce que tu fais pour moi, tu sais. Mais je veux que tu me promettes de ne pas faire l'idiot, hein. Oh, je vais réveillonner chez ma mère au Vésinet, je rentrerai après-demain. Bon, c'est parfait. Mais n'oublie pas de prendre les clés de l'appartement au cas où ta vieille cousine voudrait prendre une tasse de thé. Tu es ici chez toi. Ah, tu es mieux qu'un frère, Bernard. Allez, au revoir et bonne année. Bonne année, Sylvestre, et bonne fête. Ah, dis donc, en partant, tu veux donner ça au père Létrier ? Quoi ? Oui, le voisin de palier, tu sais, le petit vieux. Oui. Le facteur a mis une lettre pour lui dans ma boîte, je l'ai prise sans m'en apercevoir. Bon, monsieur... Albert Létrier. Ah, ben c'est d'accord, je lui donne en passant. Allez, salut mon vieux. Monsieur ? Monsieur Létrier, je me présente, je suis Sylvestre, l'ami de Bernard. Pardon ? L'ami de Bernard Lemoine, vous savez, votre voisin de palier. Ah oui, excusez-moi, non, je n'y étais pas du tout. Que puis-je pour vous, cher monsieur ? Eh bien voilà, Bernard vous prie de l'excuser, monsieur Létrier. Figurez-vous que le facteur a glissé dans sa boîte par mégarde une lettre qui vous était destinée, celle-ci d'ailleurs. Le mal n'est pas grand. Merci, et au plaisir. Au plaisir, monsieur Létrier, je ne vous dérange pas plus longtemps. Vous disposiez à sortir peut-être ? Ah, en effet, oui. Une course urgente. Eh bien, alors, je vous laisse. Je suis pressé, moi aussi, d'ailleurs. Je suis même en retard, mon Dieu. Oh là là. Oh, mais oui. Au revoir, monsieur. Et encore toutes mes excuses pour ce quiproquo. Oh, non, je vous en prie. Toutefois, si la chose se reproduit, ne vous dérangez pas. Ah. Remettez donc tout simplement la lettre dans ma boîte. Ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce que tu fous là, Jojo ? On t'a bien dit de rester dans la bagnole ?
Hein? Ah, il doit y avoir erreur sur la personne, monsieur. Oh, pardon. Je vous parlais pour Jojo, un copain. Excusez-moi. Mais je vous en prie, je vous en prie. Mon nom n'est pas Jojo, mais Sylvestre. C'est ma fête aujourd'hui. Ouais, ah bah, bonne fête alors. Hein. Merci. Ah, c'est marrant, vu de dos, vous ressemblez à Jojo comme un frère siamois. Vous allez rester là longtemps? Là? Oui, ici, sur la place de la Madeleine, à faire le pied de grue. Bah, ma foi, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Il y a des vitrines magnifiques, d'abord. Et regardez-moi celle de ce bijoutier, hein. Quelle merveille. Ouais. Ah, si j'étais Crésus. Enfin, d'autant que j'attends une femme, vous comprenez? Une femme, qui est comme toutes les femmes, d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai beau arriver en retard, je suis toujours le premier. Oui, mais vous n'allez pas l'attendre indéfiniment, j'espère? Ah, indéfiniment, non. Non, je lui donne encore une heure de sursis. Et après ça, je vais réveillonner tout seul au Diable à 4. Oh, je crois que ça va pas être possible, hein. Quoi donc, que j'aille réveillonner tout seul au Diable à 4? Non, 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 que vous restiez encore planté là pendant une heure. Ah, pourquoi, ça vous dérange? Oui, monsieur, ça me dérange. Ah. Je vous le dis en ami. C'est un coin bourré de courants d'air. Je suis sûr que c'est malsain pour vous. Tuerez-vous, croyez-moi. Dites-moi, jeune homme, pas encore que vous m'appeliez Jojo, mais si vous me cherchez une mauvaise querelle... Assez là, charrié, casse-toi. Mais il me tutoie maintenant, l'animal. Casse-toi, je te dis. Ou si un 31 décembre qui va te laisser les marques. Monsieur, vous êtes amusant, très amusant, mais la voie publique est à tout le monde, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et si vous persistez Sylvestre. À vouloir... Ah, Sylvestre, oh. Excusez-moi, je suis affreusement en retard. Mais j'arrive à peine, Monique, j'arrive à peine. Et permettez-moi de vous présenter un ami de Jojo, oui, qui me prenait à l'instant pour Jojo en personne. Ça va, ça va. Assez de salade et cassez-vous tous les deux. Vous entendez ce langage? C'est pittoresque, non? Oh, venez, Sylvestre, vous n'allez pas vous colter avec cet individu? Allez, elle a raison. Tire-toi, vieux. Tire-toi et te retourne pas. Venez, je vous en prie. Puisque vous l'ordonnez. Oh, elle me plaît bien, votre voiture. Oui, c'est pas mal, n'est-ce pas? Vous appréciez le moelleux des coussins, hein? Avec ça, je vous mène au bout du monde, ma chérie. Ah, Sylvestre. C'est quand même méchant pour ce malheureux Bernard, ce que vous faites là. Ce que je fais là? C'est mon fiancé, et c'est votre meilleur ami, votre bienfaiteur. Et dites-moi, ne croyez-vous pas que vous minimisez un peu votre rôle dans cette histoire? Je suis bien coupable, moi aussi, c'est vrai. Je n'y peux rien. Je vous aime, Sylvestre. Et moi, je vous adore, Monique. Nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. Et par conséquent, inutile d'épiloguer. Et souvenez-vous que c'est ma fête aujourd'hui, hein? Oh, c'est vrai. Ah. Bonne fête, Sylvestre. Vous êtes certain que Bernard ne se doute de rien? Oh, il se doute que vous le trompez. Ne vous faites pas d'illusions. Il a même acheté un revolver pour se venger. Un revolver? Oui. Quoi? Il veut nous tuer? Et vous seulement, pour l'instant. Oh. Il ignore encore que je suis l'autre. Avant qu'il le sache, j'ai jugé prudent de lui confisquer son revolver en le quittant tout à l'heure. Tenez, regardez-moi ça. Il est sûrement chargé, Sylvestre, soyez prudent. Bon, allons, allons, ne vous inquiétez pas. Ne craignez rien, je connais les armes à feu. Oh. Allons, allons, pas de mélancolie, Monique, hein. Allez, je mets le contact, j'actionne le démarreur, et la nuit de la Saint-Sylvestre est à nous. Allez. Je peux laisser ma vitre baisser? Vous n'avez pas froid? Je suis très bien. Où m'emmenez-vous? Au Diable à 4, à Montmartre. Vous verrez, c'est une petite boîte merveilleuse. Ah. Et nous ferons un réveillon extra. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est vrai? Il y a des gens qui courent dans tous les sens. Un incendie? Non, je vois pas de fumée. Oh, et cet individu qui court vers nous? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Tiens, attrape, Jojo, et file. Oh. Qu'est-ce que... Ah, mais alors... mais arrêtez! Mais revenez, monsieur! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas. Il m'a jeté cet objet sur les genoux par la portière. Tenez, regardez. C'est un sac de plage. Voyez donc ce qu'il y a dedans. Voilà la police. La police? Oui. Je crois qu'il vaut mieux filer. Sinon, on va encore me prendre pour Jojo et je suis sûr que ça tournera mal. Oh, Sylvestre! Regardez ce qu'il y a dans le sac. Pour l'instant, mon petit, j'aime mieux regarder devant moi. Hein? Racontez-moi plutôt. Une rivière de diamants. Ah bon? Une autre? Encore une? Oh, trois rivières, Sylvestre! Ah, ça n'est plus une rivière, mon petit, c'est un fleuve, ça. Sylvestre, on a cambriolé Morse à Rivanostère. Qui? Les bijoutiers. C'est devant chez eux que je vous ai retrouvés tout à l'heure. Oh, sapristi! Mais voilà pourquoi cet énergumène me conseillait de filer. Arrêtez-vous, Sylvestre, il faut aller tout de suite porter ces diamants à la police. Ah non, Monique, non, ça, je n'ai aucune envie d'aller à la police, non. Comment? Oh, vous
c'est-on vraiment Jojo, le complice de ces gangsters? Comment le... Mais absolument pas. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Non, il s'agit d'une coïncidence amusante, c'est tout. Mais je n'ai aucune envie de rencontrer la police ce soir. Je vous promets de m'en occuper demain, ça, sans faute. Oh, tout de suite, Sylvestre, Monique, tout de suite. Monique, mon petit, si vous m'aimez, souvenez-vous que c'est ma fête. Et oubliez le reste, voulez-vous? Vous ne voulez pas me faire un petit sourire, hein? Ça ne vous plaît pas, le Diable à quatre? C'est un endroit charmant, Sylvestre. Vous dansez très bien. Vous aussi. Mais cette histoire me cause bien du souci. Oh, vous avez tort, vraiment. Pour l'instant, le trésor est à l'abri dans le coffre de ma voiture rue Fontaine. Demain, j'irai mettre le sac à la consigne de la gare Montparnasse, j'enverrai le billet de la consigne à la police et puis l'incident sera clos. Allez, n'y pensez plus, je vous en prie. Pensez plutôt à moi. J'en vaut la peine, vous savez. Mais enfin, pourquoi avez-vous si peur de la police? Puisque vous n'avez rien fait de mal. Pourquoi ne pas aller au premier commissariat venu et raconter... Et raconter quoi? Hein? Que les auteurs du hold-up m'ont pris pour leur ami Jojo et m'ont confié leur butin avant de décamper? C'est pourtant la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours croyable, Monique. Et celle-ci est équivoque. Qu'est-ce que vous avez donc dans votre poche intérieure? Je ne sens plus mon épaule. Ah, mais c'est le revolver de Bernard, simplement. Vous vous rendez compte, Sylvestre? Il y a des diamants volés dans votre voiture et vous êtes armé jusqu'aux dents. Franchement, ma chérie, on dirait que vous avez juré de nous gâcher notre soirée. Allons, calmez-vous. Allez, retournons nous asseoir, tenez, venez. Et buvons une coupe de champagne. À votre santé et à l'année nouvelle. Chin chin. Vous savez que c'est une minute extraordinaire pour moi en ce moment. Non seulement c'est ma fête, mais c'est bientôt mon anniversaire. Bientôt, quand oui, ça? Eh ben, à minuit juste. Oui, je suis né le 31 décembre à minuit juste. Ou un 1er janvier à 0h pile. Oh. On n'a jamais su quel jour choisir. C'est fantastique. Que voulez-vous? Il naît un homme à chaque seconde. Et moi, le destin m'a fait naître à la seconde qui tient juste le milieu de la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais en quelle année? Mais en aucune. En aucune année, justement. Comme on ne s'est pas décidé pour le jour, on ne s'est pas décidé pour l'année non plus. Je suis donc né en deux années à la fois. Enfin, il y a une trentaine d'années. Enfin, c'est impossible. Justement, comme c'est impossible, c'est comme si je n'étais pas né du tout. Ça simplifie beaucoup mon état civil. Vous saisissez? Oh, petite Monique, encore un peu de champagne? Ça vous remettra, allez. Allez, viens un petit peu pour moi pendant que tu tiens la bouteille, Jojo. Hein? Oh, encore vous? Pas de ramdam, hein. Si tu tiens à ta peau, il y a celle de madame. Sylvestre, qu'est-ce que ça signifie? Du calme, poupée, du calme. Et tenez-vous à carreau tous les deux et il n'y aura pas de carnage. Hein? Oh! Alors, tu le reconnais, Lucky? Ah bah tu parles, pas de doute. C'est à lui que j'ai balancé le sac. Bah, je l'ai pris pour Jojo. Comme moi. Je suis vraiment flatté, mais cette ressemblance a quelque chose d'émouvant. Écrase, tu veux. C'est peut-être aussi par hasard que t'avais la même bagnole que Jojo. T'étais garé à 10 mètres de lui et que t'as démarré au moment où je radine avec mes perlouses. Ah bah en plus, nous avons la même voiture, Jojo et moi. Vraiment, le destin m'a comblé, hein? Tu vois, Riton, après coup, c'est la cravate rouge qui m'a fait renifler la catastrophe. Bah oui, que Jojo met jamais de cravate rouge, il met seulement des bleus. Ah bah vous voyez, il faut tout de même pas trop en demander, hein. Ça va, hein. Encore heureux que tu m'aies dit de t'emmener ta nénette au Diable à 4. Ça nous a évité de fouiller tout Paris. Vous avez osé parler de moi avec ce personnage, Sylvestre? Ah non, pardon, c'est lui qui m'a interpellé, Monique. Non, je n'ai fait moins que répondre. Écoute, bonhomme, on a un patron, nous, et il est pressé, hein. Ah bon? Il nous a envoyé lui chercher ses diams. Il faut qu'on lui rapporte. Sans ça, il va se mettre en eau. Tu comprends? Non, pas. Alors, bien, rends-moi les diams gentiment et on se quittera bon copain. Ah oui. Ou presque. Messieurs, je serais ravi de vous rendre ce petit service. Malheureusement, je n'ai plus les diams. Quoi? En question. Hein? Tu les as plus? Mais non, supposons que je me sois débarrassé de ces diams en cours de route. Ah non, hein? Oh, non, t'as pas fait ça, j'espère. Mesdames et messieurs. Ah là là là. Mesdames et messieurs. L'heure du diable. Choisissez bien vos partenaires. Dans 20 secondes, on éteint tout. Riton, qu'est-ce qu'il y a des gouaces? Ils éteignent tout. Ah quoi? Oui, le nouvel an ici commence dans les ténèbres. Attention, ça promet. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Feu. Venez vite, Monique, prenez ma main. Oh, mon Dieu.
Mais vers la sortie de secours, bien sûr. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me passe? Ah, c'est toi, Lucky. Mais oui. Tu vois rien, mon vieux. Et les deux autres, où ils sont? Bah, ils sont... Oh, on est paumés là-dedans, oui. Mais allumez, allumez, non, mon Dieu. Allumez la lumière et que personne ne bouge, police. Les flics, on est fabriqués, Lucky. Voulez-vous rallumer la lumière immédiatement, police? Attends, ah, bah, alors c'est vrai. Bon, alors on rallume, on rallume. Oh. Merci. Merci tout de même. Commissaire Lancelot, de la police judiciaire. Navré de troubler votre sympathique réveillon, mesdames et messieurs, mais pendant que les honnêtes gens s'amusent, les gangsters s'en donnent à cœur joie. Et nous devons vérifier s'il n'y en a pas parmi vous. Comment ça parmi nous? Vous y allez fort, commissaire. Mademoiselle, on a cambriolé tout à l'heure la bijouterie Mansart et Van Oster, place de la Madeleine. Il y a un mort. On nous a signalé dans le quartier deux individus dont le signalement correspond à celui des malfaiteurs, alors nous nous permettons. Comprenez? Bon, merci. Oh, mais j'aperçois le visage de quelqu'un que je connais bien. Bonsoir, Riton. Ouais, c'est pas moi, je vous jure. Ça doit être plutôt les deux autres. Qui ça? Ouais, le type à la cravate rouge qui était là avec une bonne femme. Vraiment? Et ouais. Maintenant, ils y sont plus. Bah, non, quoi. Et ils ont dû partir pendant qu'on était dans le noir. Bon, mais tu vas venir me raconter tout ça dans mon bureau, tu veux bien? Oh, bah non. Va aussi emmener ton camarade Lucky. Ah non, pas moi, commissaire. Si, toi. Ah, vous travaillez toujours ensemble, vous deux? Oh, commissaire, vous savez bien qu'on n'a jamais fait de hold-up, quand même. Il y a un début à tout, Riton. En attendant, venez donc à des orfèvres. Pour parler bijoux, ça s'impose, non? Comme vous voudrez. On vous la souhaite quand même bonne et heureuse, messieurs dames. Hein. Messieurs dames. Comment trouvez-vous ce café, ma petite Monique? Merveilleux, Sylvestre. J'ai jamais su faire grand-chose dans l'existence, mais pour le café, là, je suis imbattable. C'est vrai, je crains personne. Je m'excuse seulement de vous le servir dans la cuisine, du reste un peu cavalier. Pas du tout, c'est très amusant. Mais vous n'étiez jamais venu chez Bernard auparavant? Jamais. Ah. Je le connais depuis 6 mois à peine et vous habitiez déjà chez lui. Oui. Il n'osait pas vous demander d'aller ailleurs pour nous laisser l'appartement. Mmh. Il avait trop d'amitié pour vous. Ah, quel type épatant, ce Bernard. Quand vous lui avez dit que vous passeriez les fêtes sans lui, il en avait la larme à l'œil. Vous savez, il était ému. Un peu de café. Merci. C'est vraiment l'art de retourner les situations. Non, de les dominer plutôt. Comme cette nuit au Diable à 4. Oh, oui, alors là, on s'en est pas trop mal tiré. Des voleurs d'un côté, des gendarmes de l'autre. La moindre des choses était de les laisser en tête à tête, je suppose, non? En emportant les plus belles pièces de Mansart et Van Oster. Oh, oui, mais je n'ai pas l'intention de les garder. Vous pensez toujours à les mettre à la consigne de la gare Montparnasse? Non. Non, il m'est venu tout à l'heure une idée beaucoup plus élégante. Vous dormiez encore et je suis descendu et j'ai glissé les trois rivières dans la boîte aux lettres d'un locataire de l'immeuble. Mais vous êtes fou! Si cet homme est malhonnête! Oh, allons, c'est Monsieur Létrier, notre voisin de palier, non. Un retraité des postes ou des chemins de fer, je pense. Il porte l'honnêteté sur son visage. Non, je suis certain qu'à peine sa boîte ouverte, il ira tout droit au commissariat, si c'est déjà fait. Il touchera une grosse récompense et nous aurons fait une bonne action, ce qui ne gâte rien. Mais enfin, c'est très risqué. Si je me suis trompé, si je m'aperçois qu'il veut garder ça pour lui, alors je prends ma plus belle plume et j'envoie une lettre anonyme au procureur de la République en dénonçant Létrier. C'est tout simple. Vous savez que vous m'inquiétez, Sylvestre. Moi? Pourquoi? Vraiment? Oui. Vous êtes pour moi une énigme. D'abord, votre conduite est absolument déconcertante. Vous n'êtes pas satisfaite des preuves d'affection que je vous ai données? Si. Ah. Je dois dire que c'est votre côté positif. Ah, bon. Mais c'est bien le seul. Tout le reste est singulier. Voilà. Votre horreur maladive de la police, par exemple. C'est une allergie. Que voulez-vous, une allergie? La nature me l'a donnée en même temps que mes grains de beauté. J'y peux rien. Et puis cette date de naissance extravagante. On ne sait même pas si vous êtes né ou non. Avez-vous seulement un nom de famille? Mais parfaitement que j'ai un nom de famille, comme tout un chacun. Vous ne me l'avez jamais dit. Pourquoi? Je voulais passer à vos yeux pour un être exceptionnel. Voilà. Mon nom vous aurait sûrement choqué par sa banalité. Oh, c'est ridicule. Comment vous appelez-vous? Dupont. La belle affaire. Je m'appelle bien Dubois. Oui, et moi, Dupont, en deux mots. Ah. Oui, en deux mots, notez-le bien, n'est-ce pas? Un de mes ancêtres était général d'Empire. Napoléon l'a anobli la veille de Waterloo.
Oh, il s'en est fallu de peu. Ah oui, c'est vrai, c'est un jour plus tard, et nous étions Dupont comme devant, si j'ose dire. En un seul mot, en tout cas. Le destin a toujours joué un rôle facétieux dans ma famille. Nous sommes des espèces d'atrides des temps modernes. Tenez, voulez-vous que je vous raconte comment je suis né ? Volontiers. Tout ce qui peut m'éclairer sur vous me passionne. Adorable Monique. Eh bien voilà, figurez-vous que mon père, qui était lui-même né au Tonkin, où mon grand-père était colonel de tirailleurs, avait épousé en seconde noce... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon Dieu, Bernard ! Ah non, non, ça certainement pas. Non. Bernard a ses clés. D'ailleurs, il est au Vésinet chez sa mère. Non, il rentrera demain. Non, non, attendez, ne sortez pas de la cuisine. Je vais voir ce que c'est. Oh ! Je m'excuse de vous déranger, monsieur. Oh, monsieur Létrier. Monsieur Lemoine n'est pas là. Non, non, il rentrera demain, je suis seul. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? Oh, non, ne dites rien, je vois. Encore une confusion dans le courrier, je parie, n'est-ce pas ? Une lettre pour mon ami Lemoine glissée par erreur dans votre boîte. Demain peut-être, mais aujourd'hui c'est le jour de l'an, monsieur. Il n'y a pas de courrier. Il n'y a pas... Ah bah oui, ah zut. Ah, bonne et heureuse année, monsieur Létrier. Merci, monsieur, vous de même. C'est précisément parce que les PTT sont en congé que je viens vous importuner. Mais pas du tout, pas du tout. Je dois téléphoner à ma sœur qui habite la province. Et comme la poste est fermée aujourd'hui... Vous voulez téléphoner de chez moi? Mais bien sûr, voyons, je vous en prie. Mais ne restez pas sur le palier, entrez donc. Oui, mais merci. Pardon. C'est par ici. Tenez, voilà, l'appareil est ici, le voici. Je vous laisse, je fais finir d'avaler mon café. Je ne sais comment... Mais je vous en prie, voyons, monsieur Létrier, entre voisins, c'est la moindre des choses. C'est drôle. Qui est-ce ? Le voisin de palier. Il vient téléphoner ici parce que la poste est fermée. Et il n'ouvrira sa boîte que demain, puisqu'il n'y a pas de courrier aujourd'hui. Ça vous amuse tellement? Je trouve ça irrésistible. C'est vrai, tous les policiers de France et de Navarre sont sur les dents pour retrouver une fortune qui dort tranquillement dans la boîte aux lettres de ce bonhomme. Et il n'ouvrira sa boîte que demain matin à 9h, avec l'espoir d'y trouver son journal ou ses cartes de bonne année. Oui? J'ai terminé, monsieur. Oh, pardon, mademoiselle. Monsieur. Monsieur Létrier, mademoiselle Monique Dubois, monsieur Létrier. Bonjour, monsieur. Enchanté. Bonne et heureuse année, mademoiselle. Merci. Dites-moi, je vous dois 3,50 francs pour ma communication, monsieur. Ah, moi ? Ah, non, absolument pas, monsieur Létrier, vous ne me devez rien. Ah, vous préférez que je règle à monsieur Lemoine, peut-être ? Mais non, voyons, à personne. Bernard gagne une fortune dans les assurances, il a plus d'argent qu'il n'en faut. Allez donc. Vous me mettez vraiment dans l'embarras. Oh, ne faites pas de manière, voyons, je vous en prie. Vous êtes un honnête homme, j'espère, monsieur Létrier. Moi ? Mais pourquoi donc ? Répondez-moi sans détour. Êtes-vous un honnête homme ? Mais je suis l'honnêteté même, monsieur. Bravo ! Alors, entre honnêtes gens, pas d'histoire pour 3,50 francs, je vous en supplie. Tenez, je suis si heureux de rencontrer un honnête homme que je vous offre l'apéritif. C'est que je n'ai pas l'habitude. Vous entendez, Monique ? Monsieur Létrier n'a même pas l'habitude de prendre l'apéritif. Nous sommes tombés sur le parangon des honnêtes gens. Allez, allez, suivez-moi, venez par ici. Je vous en prie. Passez devant, si ça non. Voilà, passez. Je vais quand même mettre une cravate pour trinquer avec vous. Je ne fais pas de cérémonie, vous savez. Vous portez une cravate rouge, hein ? Oui, oui, je trouve que ça me va assez bien au teint. Les bouteilles sont dans le buffet, Monique. Si vous aviez la gentillesse de nous servir... Mais oui, mais qu'est-ce que je vous offre, monsieur Létrier ? Du whisky ? Oh, ma foi ! Allons-y pour le whisky. Ce n'est pas tous les jours le premier de l'an. Tiens, voilà du monde. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh, mon Dieu ! Bernard, pas possible ! Mais je croyais que tu ne rentrais que demain... Bonne et heureuse année, cher vieux. Nous allions boire un verre à ta santé, tu vois ? Je vois. Alors, c'est ça, ta vieille cousine rencontrée au musée des monuments français ? Hein, qui donc ? Ah, Monique ! Figure-toi qu'elle est venue ici pour te présenter ses vœux et, comme tu n'étais pas là, je lui ai conseillé de t'attendre. En robe de chambre ? Ah je lui ai prêté ta robe de chambre parce que le chauffage doit être en panne, on gèle ici, hein, n'est-ce pas, monsieur Létrier ? Monsieur, si vous le permettez... Ne bougez pas, monsieur Létrier, puisque vous êtes là, vous me servirez de témoin. De témoin ? Mais, monsieur Lemoine, j'étais juste venu téléphoner, je ne pensais pas... Cette personne est ma fiancée, monsieur Létrier, cet homme est mon meilleur ami.
Vous êtes témoin que je les trouve chez moi, tous les deux, à midi, dans une tenue qui ne laisse aucun doute. Oh, je t'en prie, Bernard, ne sois pas vulgaire. Voyons, Monique, expliquez-lui ce qui s'est passé. Peut-être qu'il vous croira, vous... Écoute-moi, Bernard, autant profiter de l'occasion pour nous expliquer une bonne fois. Sylvestre et moi... J'ai tout compris. Inutile de me raconter des histoires. Oh non, si vous le permettez, monsieur Lemoine, je vais vous régler mes 3,50 francs de téléphone. Vous, puisque vous êtes là, restez-y jusqu'au bout. Vous avez été témoin de la trahison, vous serez témoin de ma vengeance. Bernard, tu es fou. Calmez-vous, monsieur Lemoine. Me calmer, hein? Oh, ça, je savais qu'elle me trompait. Je me doutais que c'était avec lui. Mais je voulais voir s'il aurait le culot de l'emmener chez moi. Eh ben, il l'a eu, le salaud. Il l'a eu. Maintenant, je suis là, et ça ne va pas traîner. Mais... Qu'est-ce que tu cherches? Mon revolver. Monsieur Lemoine, une dernière fois. Enfin quoi? Oui, mon revolver. Non, c'est moi qui l'ai, Bernard. Très bien, tu fouilles dans mes tiroirs, maintenant. Je ne suis plus chez moi. Prends-le-moi. Ah, non, je l'ai, je le garde. Et si tu bouges, je te casse une jambe. Oh, l'horrible type. Bon, et vous n'avez plus besoin de moi, je crois. Si, monsieur Létrier, si. Au cas où un accident se produirait, vous pourriez témoigner que j'étais en état de légitime défense. Légitime? C'est toi l'innocent, moi le criminel. Ne bouge pas. Là, merci. Allez vite passer votre manteau, Monique, pendant que je tiens cet individu en respect. Après quoi, nous filerons. Oui, Sylvestre. Oui. Sylvestre a raison, Bernard. Si j'avais su que la jalousie pouvait faire de toi un assassin, jamais je ne t'aurais choisi comme fiancée. Mais je rêve. Monsieur Létrier, vous êtes témoin. Ah non, je refuse d'être témoin de rien ni de personne. Allons, messieurs, réconciliez-vous et n'en parlons plus. Après tout ce qui vous arrive n'est pas si grave. Vous verriez ça au théâtre, ça vous ferait plutôt rire, je pense. Mais oui, beaucoup. Pas du tout. D'ailleurs, nous ne sommes pas au théâtre. Et c'est moi. N'y pensez plus, alors. Vous n'êtes quand même pas le premier. Permettez-moi de vous souhaiter encore une fois une bonne et heureuse année et de me retirer. Hein? Une seconde, monsieur Létrier, toute petite seconde et je vous libère. Tiens, une visite pour vous. Monsieur Létrier, ne bougez pas, s'il vous plaît. Laissez, je vous en prie. Police! Vous êtes fait, mes cocos, jetez vos armes. Je suis couvert par mes jambes, la maison est cernée. Le premier qui tire est transformé en éponge. Mais personne n'a l'intention de tirer, monsieur, personne. Vraiment? Alors, qu'est-ce que vous faites avec ce revolver à la main, s'il vous plaît? Mais je le tiens en respect, lui. Ah, je vois, règlement de compte. On n'est pas d'accord au moment de partager le magot. Le magot? Oui. Vous avez une très jolie cravate, monsieur Lemoine. Pardon, ce n'est pas moi. Vous niez? Non, mais Lemoine, c'est moi, monsieur l'inspecteur. Commissaire, si ça vous écorche pas la bouche. Alors, c'est vous, Lemoine? Oui, c'est lui, Lemoine. Ah bon? Donc c'est lui qui a loué chez Doc Le Côteville la voiture qui est en bas. Voilà. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la voiture, Sylvestre? Tiens, nous avons aussi une égérie. Parfait, parfait. Mais jetez ce revolver, vous, à la fin. Ce revolver... Ah oui, pardon. Oh, pardon. Monsieur le commissaire, je ne suis que le voisin de palier de ces messieurs. Mon nom est Albert Létrier. Tenez, voici mes papiers. Je suis là par hasard, je ne suis pour rien dans rien. Vous avez ma parole. Ça, c'est vrai, monsieur le commissaire, c'est le voisin de palier. Eh bien, voisin ou pas, j'embarque tout le monde. Ah, et puis pas d'histoire, hein. Bon, je suis de service le jour de l'an, autant vous dire que j'ai pas envie de rigoler. Toute la bande, mon vieux Geoffroy, toute la bande. Deux hier, quatre aujourd'hui, ça fait six. C'est un coup de filet, ça, non? Un très beau coup de filet, Lancelot. Ça serait même une sorte de pêche miraculeuse si tu avais retrouvé aussi les bijoux de Mansart et Van Oster. Mais attends, chaque chose en son temps. Je tiens les voleurs, les bijoux suivront. Pas le plus petit diamant en vue pour l'instant? Rien, non, rien, ni dans la voiture, ni dans l'appartement. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ben tu penses bien que je les ai pas interrogés quand ils étaient tous ensemble. Ah, oui. L'astuce, c'est de les empêcher de se mettre d'accord pour nous bourrer le crâne, tu comprends? Alors maintenant que je les tiens ici, bien isolés les uns des autres, ils vont se sentir beaucoup moins fiers et ils se couperont fatalement. C'est le meilleur moyen de savoir la vérité, Geoffroy. Et je veux tout savoir. Ben d'accord. Par qui tu commences? Par le plus faible, bien sûr. La femme. D'accord. Raymond. Oui. Fais entrer la femme. Tout de suite, inspecteur. On dit qu'il faut chercher la femme. Nous l'avons déjà trouvée. Quand je suis arrivé rue Vercingétorix, un des trois types, qui avait une cravate rouge, braquait les deux autres. Et quand la fille est entrée, elle lui a dit « Je suis prête, chose. » « Chose ?» Oui, elle l'appelait par son prénom. Il a un prénom impossible, je ne me souviens plus. Mais elle était prête pour lui, tu comprends? Ah oui. Entrez, mademoiselle. Merci. Asseyez-vous donc, mademoiselle. Mademoiselle, comment, au fait? Je m'appelle Monique Dubois. Dubois.
Eh bien, je vous présente mon collaborateur, l'inspecteur Geoffroy, mademoiselle Dubois. Monsieur. Mademoiselle. Bon, je vais vous poser quelques questions très simples auxquelles je vous demanderai de répondre avec la plus extrême franchise. Volontiers, commissaire. Parfait. Depuis combien de temps appartenez-vous à cette bande de gangsters? Je ne connais aucune bande de gangsters, commissaire. Je vous en prie, ne commencez pas à biaiser, sinon je serai obligé de vous poser des questions plus directes et même indiscrètes. Je vous demanderai par exemple ce que vous faisiez dans une voiture noire, hier soir, place de la Madeleine, auprès d'un homme à cravate rouge. Nous nous promenions, commissaire. Vous vous promeniez. Et cet homme à cravate rouge est bien le même que celui que j'ai cueilli tout à l'heure rue Vercingétorix avec vous et les deux autres. Oui, commissaire, c'est Sylvestre. Sylvestre ! Ah, Geoffroy ! Geoffroy, Sylvestre, c'est le prénom. Et ce Sylvestre était le possesseur du revolver ? Non, le revolver appartenait à Bernard. Sylvestre le lui avait pris pour l'empêcher de nous tuer. Bernard, c'est l'autre, le moine. Mon fiancé, oui, commissaire. Ah, le fiancé. Sylvestre et lui sont amis intimes. Oui, mais avec lequel vous disposiez-vous à partir quand je suis intervenu ? Avec Sylvestre, puisque Bernard voulait nous tuer. Pourquoi voulait-il vous tuer ? Parce que je le trompais avec Sylvestre. Ah, vous voulez me faire croire, en somme, qu'il n'y a aucune relation entre le hold-up d'hier soir et la querelle qui opposait vos deux soupirants tout à l'heure. Aucune ! Vous savez donc de quel hold-up je veux parler ? Parfait, nous allons gagner du temps. Quand vous avez quitté la place de la Madeleine, hier soir, dans la voiture de le moine ? Non, dans celle de Sylvestre. Mais louée par le moine ! Sylvestre ne m'a jamais parlé de ça. Il m'a dit que c'était sa voiture. Ah, n'essayez pas de m'embrouiller, voulez-vous. Hein? Bref, quand vous avez démarré, un homme est passé près de vous en courant et a jeté quelque chose dans la voiture. Permettez-moi de ne pas répondre à cette question, commissaire. Mais pas du tout, puisque vous voulez rien dire, à votre aise. Nous allons vous garder ici le temps que la parole vous revienne. Mais soyez quand même assez bonne pour m'indiquer le nom de famille de votre... Sylvestre. Ah oui, c'est Sylvestre que je m'y retrouve. Il s'appelle Dupont. Sortez tout de suite. Lance-le, voyons. Sortez tout de suite, mademoiselle Dupont. Mademoiselle Dupont ! Mais nous reverrons et je vous jure que vous serez plus loquace. Sortez. C'est égal. Vous avez une curieuse façon de parler aux femmes. Ils sont diablement forts, hein ? Oui. Oui, surtout le plus faible. Quoi ? Oui. Bon, en attendant, je sais quand même que c'est elle qui accompagnait l'homme à la cravate rouge hier soir. Et je sais aussi que l'homme à la cravate rouge, c'est... C'est Dupont. Voilà. Et ça va te permettre de leur faire avouer où sont les diamants de Mansart et Van Oster ? Il y a une règle d'or dans notre métier, Geoffroy, ne jamais jeter le manche après la cognée. Voilà. Allez, au suivant ! Au Vésinet, oui, commissaire, avec ma mère et des voisins. Je suis rentré à Paris vers midi. Non, tout ça n'est pas sérieux, le moine. Bien entendu, je suis certain que vous vous êtes préparé un alibi solide. Malheureusement, c'est à vous que les établissements de Clocqueville ont loué la voiture qui a servi au hold-up. Mais si j'avais pu prévoir que Sylvestre s'en servirait pour un hold-up, vous pensez bien que je ne l'aurais pas loué. Alors pourquoi l'avez-vous fait ? Quelles étaient vos prévisions ? Sylvestre n'avait pas de permis de conduire et il voulait louer une voiture pour promener sa vieille cousine. Qui ? Mais Monique. Mademoiselle Dubois. Mademoiselle Dubois et la vieille cousine de... Hein ? Au fait, comment s'appelle-t-il ? Dupont. Dupont. Notez, je n'ai jamais vu ses papiers, mais il signe ses peintures Dupont. Ah, c'est un artiste. Dupont. Oui, c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Sur la Côte d'Azur, il peignait des paysages pour les touristes étrangers. Et vous avez été séduit par son talent ? Oh, pas du tout, je trouve sa peinture affreuse. Mais lui, il avait l'air gentil... Si j'avais pu deviner ce qu'il était vraiment. Oui, en somme, vous essayez de lui mettre tout sur le dos, maintenant que vous êtes pincé. Non, je ne sais pas. Mais sans vous faire de peine, votre système de défense ne brille pas par l'invention, le moine. Enfin, laissons cela pour l'instant. Oui. Ce matin, en entrant chez vous, j'ai trouvé un homme à cravate rouge. C'était lui, commissaire. Mais la cravate était à moi. Plaît-il ? Oui, il m'avait emprunté ma cravate rouge. Ah, ça, mais vous prêtez donc n'importe quoi à n'importe qui, le moine. Votre voiture, votre cravate, votre fiancé. Comment, moi ? Oui, et votre revolver aussi, peut-être. Mon revolver ? Non, le revolver était à lui, commissaire. Tiens ! Mais c'était pas l'avis de mademoiselle Dubois. Elle prétend que le revolver était à vous et que vous vouliez les tuer, Dupont et elle. Mais c'est un mensonge abominable ! Ce sont eux qui voulaient me supprimer ! Ah, peut-on savoir ce que vous leur aviez fait ? Je refusais d'entrer dans leur combine. De quelle combine voulez-vous parler ? Du cambriolage de Mansart et Van Oster ? Oui. Quand je suis rentré du Vésinet, Sylvestre m'a tout raconté. Il m'a dit qu'ils étaient compromis à cause de la voiture. Après ça, je devais les aider à passer les diamants en Suisse. Ah,
J'étais effondré, commissaire. Mais il faut vous dire que je suis dans les assurances contre le vol et l'incendie. Ah, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai essayé de faire honte à ces misérables, mais Sylvestre m'a seulement répondu « Tu en sais trop, maintenant je suis obligé de te descendre. » Et il a sorti son revolver. Un garçon en qui j'avais toute confiance, que je considérais comme un frère. Et vous prétendez que vous n'aviez aucun soupçon contre lui avant ce matin? Oh, je soupçonnais qu'il y avait quelque chose entre Monique et lui, ça oui. Et j'en venais ce matin, le pardon aux lèvres, je ne voulais pas être un obstacle à leur bonheur. Je préférais m'en aller, en province, pour qu'ils ne me voient jamais. Et voilà comment ils m'ont remercié. Mais... Alors, en effet, c'était sympathique. Je vous remercie de m'avoir parlé avec cette franchise, le moine. C'était mon devoir, commissaire. Un devoir pénible, je dois dire. Quant à vous, vous n'avez rien à voir dans cette histoire, en somme. Mais rien du tout, monsieur le commissaire. Je suis un honnête retraité des chemins de fer. Et c'est bien la première fois que je me trouve dans les locaux de la police. C'est un bâtiment magnifique, d'ailleurs. Vous êtes connaisseur, monsieur Létrier. Que saviez-vous de vos voisins avant de visiter la PJ? À vrai dire, je les connaissais à peine. Ces jeunes gens vivent surtout la nuit et moi le jour. Ainsi, je n'avais jamais rencontré l'ami de monsieur Lemoine avant hier soir. Dupont. Ah, il s'appelle Dupont. Tout le monde le dit, en tout cas. Eh bien, hier soir, Dupont est passé chez moi pour me rendre une lettre que le facteur avait glissée par mégarde dans la boîte de monsieur Lemoine. Et quelle impression vous a-t-il laissé? Dupont? Ah oui, pas le facteur. Je dois parler franchement. Mais je l'exige, monsieur Létrier. Eh bien, Dupont m'a laissé une impression désastreuse. Ah! Et malgré votre répugnance, vous lui avez rendu visite ce matin? Je pensais trouver M. Lemoine, qui, lui, est un brave garçon. Je voulais téléphoner à ma sœur, et la poste était fermée. Oui, ma sœur habite La Rochelle, et elle sort de clinique. Elle s'est déplacée une vertèbre en nettoyant ses carreaux. Mmh. Un accident stupide, oui. Elle était grimpée sur un tabouret, et au moment... Je vois, M. Létrier, je vois comme si j'y étais. Ah. Vous vouliez prendre de ses nouvelles et lui souhaiter la bonne année? Exactement. Voilà. La poste était fermée, je me suis donc rendu chez mon voisin. Malheureusement, M. Lemoine était absent. Je suis tombé sur ce couple affreux. Ah, vous avez l'impression que Dupont et cette femme... Je n'ai pas mes yeux dans ma poche, monsieur le commissaire. ça sautait aux yeux. Et à qui appartenait le revolver, d'après vous? J'ignore auquel il appartenait, mais enfin, c'est Dupont qui l'a sorti de sa poche pour nous emmenacer, monsieur Lemoine et moi, tandis que la créature allait passer un vêtement décent sur sa maigre personne. Et comment monsieur Lemoine prenait-il la chose? Douloureusement, ça va sans dire, monsieur le commissaire. J'ai cru comprendre que la créature l'avait séduit, puis bafoué avec le concours de Dupont. Au fond, un drame comme il y en a dans les romans d'Honoré de Balzac. Si vous connaissez. Je connais. Ah bon, je connais. D'après vous, le moine est donc innocent? Il ne m'appartient pas de juger. Je vous ai rapporté les faits en toute objectivité. Et où se trouvent les diamants de Mansart et Van Oster, à votre avis? Là, mon ignorance est totale. Bien sûr. Et c'est bien dommage. Votre nom? Dupont, en deux mots. Du plus loin, pont. Pas possible. Si, commissaire, si. Je compte un baron d'Empire parmi mes aïeux. Mon prénom est Sylvestre. C'était hier ma fête. Et ce n'est pas fini. Ah bon? Date de naissance? 31 décembre, ou 1er janvier. Il y a une trentaine d'années. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quel jour? En quelle année? Le cas n'a jamais été tranché, commissaire. Je suis né à minuit, juste, de père français et de mère anglaise, sur un navire panaméen, dans les eaux territoriales égyptiennes. Oui, mon père était si bouleversé par ma naissance et le capitaine du navire si remué par le mal de mer que l'événement n'a été consigné nulle part. Enfin, quelle est votre nationalité? Je n'en ai aucune, commissaire, non. Je suis totalement et définitivement apatride. Mais vos papiers? Vous pouvez constater que je n'en ai pas. Je peux vous dire que ça ne m'a jamais manqué. Vous avez bien fait votre service militaire quelque part? À vrai dire, je n'en ai jamais ressenti le besoin.
Pardon, Dupont. Oui. Vous avez l'intention de me faire avaler des couleuvres de cette taille? Mais je n'ai aucune intention, commissaire. C'est vous qui en avez contre moi. Je mène une enquête! Je ne suis pas au cirque! Mais je vous accorde qu'il y a dans mon cas un concours de circonstances que nous qualifierons d'original, si vous voulez. Mais je vous garantis que je suis absolument innocent. Ah non, vous êtes un innocent. C'est pas tout à fait pareil. Vous cherchez à me piquer. N'y comptez pas de ma mère anglaise. Je tiens un flegme à toute épreuve. Dupont, ne perdons pas notre temps, j'ai contre vous un dossier accablant. Allons donc. Tous les témoignages vous accusent. Association de malfaiteurs, homicide, vol à main armée. Vous êtes dans une situation sans issue. Bah, j'y suis depuis ma naissance, on s'y fait. Mais laissez-moi parler, sacrebleu ! Pardon, excusez-moi. Votre culpabilité ne fait aucun doute pour personne. Sauf pour moi. C'est quand même une exception considérable. Est-ce par hasard que je vous ai trouvé revolver au poing quand je suis entré chez vous ce matin ? Vous croyez que c'est un argument en votre faveur ? Évidemment, si vous cherchez la petite bête, vous trouvez toujours, ça... Passons sur votre défaut total d'état civil qui constitue en soi un véritable crime, puni comme tel par toutes les justices dans tous les pays. Le crime de Sylvestre Dupont. Ah, si, ça, c'est un bon titre pour un roman policier. Je vous le laisse. Mais est-ce que vous allez fermer ça, oui ou non ? Lance-le, voyons. Attends. Dupont, monsieur le commissaire... Racontez-moi ce que vous avez fait depuis votre départ de la rue Vercingétorix hier soir. Je me pose une question. Je ferme ça ou je raconte? Racontez, Dupont, racontez bien. Eh bien, voilà. C'est surtout l'incident de la place de la Madeleine qui vous intéresse, je pense. Oui. Surtout cet incident, surtout lui. Bon, calmez-vous. Voilà. Sachez donc que les gangsters qui ont cambriolé Mansart et Van Oster m'ont pris pour un de leurs complices, qui se nommait Jojo, oui, et qui avait la même voiture que moi. C'est ainsi qu'ils ont jeté dans ma voiture le sac qui contenait leur butin. C'est tout. Excusez-moi si je ne partage pas votre avis, mais j'ai l'audace de penser que ce n'est pas tout. Dupont. Ah. Dites-moi encore, par exemple, pourquoi vous n'avez pas porté aussitôt les diamants à la police ? Mais réfléchissez, commissaire. Quoi ? Mais réfléchissez donc. Si je vais à la police pour lui remettre ses bijoux, on me félicitera probablement. Mmh. Mais on me demandera mes papiers. De fil en aiguille, on m'interrogera sur ma vie privée, mes moyens d'existence, le etc., etc. Or, je n'ai même pas un permis de conduire à montrer à ces messieurs. Oh, encore un bon point pour vous. Enfin, étant donné ma situation privilégiée, autant dire que je ne suis pas sorti d'affaire. C'est aussi mon avis. Oui, mais aujourd'hui, ça m'est indifférent. Tandis qu'hier soir, nous étions le 31 décembre, et je voulais réveillonner tranquillement avec la femme de ma vie. Donc, il n'était pas question de flirter avec la police. Voilà pourquoi je suis allé au Diable à quatre, comme prévu. Malheureusement, l'arrivée de deux individus qui s'obstinaient à m'appeler Jojo, puis votre arrivée à vous, m'ont obligé à fuir de nouveau. Nous sommes donc rentrés tout bêtement rue Vercingétorix. Et là, je vous demanderai d'être muet sur la fin de cette nuit qui restera pour moi, monsieur le commissaire, inoubliable. Je m'en charge. Que comptiez-vous faire des diamants sans indiscrétion ? Eh bien, j'avais décidé de les faire parvenir à la police dès aujourd'hui. Pour nos étrennes, en somme. Voilà. Comme c'est gentil à vous, mon vieux. Venons-en maintenant à l'instant où vous alliez régler son compte à Lemoine. Mais vous brodez, commissaire, de la broderie pure et simple. Mais oui, je vous assure, n'ai jamais nourri d'intention criminelle contre Bernard. Quand vous êtes survenu, je le tenais en respect avec son propre pistolet, car Bernard est un impulsif, et comme il nous avait surpris ensemble, Monique et moi, il voulait nous faire un mauvais parti. Aucun doute là-dessus? Ça, vous n'en auriez eu aucun si vous aviez été à ma place, commissaire. Je n'y ai jamais tenu, Dupont, et à présent, moins que jamais. Ah. Eh bien, après ce brillant exposé, vous allez me dire où sont passés les diamants, peut-être. Si vous y tenez. Vous savez où ils se trouvent ? Ah, mais bien sûr. C'est moi qui les ai mis dans la boîte aux lettres de Monsieur Létrier ce matin. Dans la boîte ? Ah oui, non mais rassurez-vous, monsieur le commissaire, ça c'est un honnête homme, alors je m'en porte garant, il n'avait pas de courrier aujourd'hui, sinon il les aurait déjà découverts. Et il vous les apportera dès demain, alors là, ça, soyez sans crainte. Mais vous avez attendu jusqu'à maintenant pour me dire ça ? Ah
non, non, je vous demande pardon. C'est vous qui avez attendu jusqu'ici pour me le demander. C'est très différent, commissaire. Vous êtes foutu de moi, Dupont. Moi, commissaire. Ah non, vous, Loud, vous en croyez, ça va comme ça, hein. Ils se foutent tous de moi, depuis le début. Et ils ont mal choisi leur jour. Oh mon Dieu, vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien trouvé dans la boîte de monsieur l'étrier. Vous rigolerez moins quand vous entendrez mon rapport devant le tribunal. Ah, ça vous amuse d'entraver le cours de la justice. Mais il y a un tarif pour ça, Dupont. Et j'espère bien qu'on vous appliquera le maximum. Commissaire, commissaire, vous avez ma parole d'honneur. J'ai glissé 3 rivières de diamants dans la boîte de monsieur l'étrier ce matin. S'ils n'y sont plus, c'est que quelqu'un les a pris. S'ils n'y sont plus, c'est qu'ils n'y ont jamais été. Oh. Et pendant que je perds mon temps à écouter vos bobards, vos complices filent vers les frontières avec leur butin, mais rassurez-vous, elles sont gardées, les frontières. Lancelot, Lancelot, on pourrait quand même demander à l'étrier ce qu'il en pense. Ouais. Oh non, mais je connais mon métier, Geoffroy, non? Je sais tout de même ce que c'est qu'une confrontation. Raymond, allez me chercher l'étrier. Tout de suite, commissaire. Il y a quelque chose de louche dans cette affaire, commissaire. Vous ne m'ôterez pas ça de l'idée. Écoutez-vous, une dernière fois, une dernière fois, je vous prie de me croire. Je commence à en avoir par-dessus la tête si vous ne me croyez pas. Bonsoir. Ah non, Dupont. Ah non. Du calme, Lancelot, voyons. Du calme, Dupont. N'oubliez pas votre flegme britannique, mon vieux. Ah oui, c'est vrai. Monsieur l'étrier, commissaire. Ah, entrez donc, monsieur l'étrier. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute, commissaire. Je voudrais savoir, vous monsieur l'étrier... Vous permettez, Dupont. Ah, c'est moi qui interroge, non? Oui, c'est très juste. Pardon. Asseyez-vous, monsieur l'étrier, c'est préférable. Merci. Là, non, là, je préfère. Là, merci. Monsieur l'étrier, auriez-vous trouvé ce matin dans votre boîte aux lettres les diamants de Mansart et Van Oster? Comment? Non, vous m'avez bien entendu, monsieur. Monsieur Dupont, ici présent, prétend les y avoir glissés. Oh, comment vous essayez de me mêler à cette horrible histoire, monsieur Dupont? C'est malhonnête, monsieur. C'est indigne. Il n'est pas question de vous compromettre, monsieur l'étrier. Il faut me sortir de là, c'est tout. Silence, Dupont! On crame déjà moins à ce que je vois. Hein? Monsieur l'étrier, en bref, votre boîte était vide comme la poche d'un pauvre homme. Il n'y a pas de courrier aujourd'hui, monsieur le commissaire. Je n'avais donc aucune raison d'ouvrir ma boîte ce matin. Et si, par le plus grand des hasards, je l'avais ouverte et y avait trouvé les objets en question, vous pensez bien que je les aurais aussitôt portés à la police. Qu'en pensez-vous, Dupont? Je suis tout à fait perplexe. Vraiment? Oui. Dupont, je vous somme de me dire immédiatement où sont les diamants que vous avez volés. Mais je vous l'ai dit. Ah! Vous avouez donc enfin que c'est vous qui les avez volés. Comment? Mais oui! Oh! Tenez, puisque vous employez des procédés pareils, moi, je ne vous réponds plus. Le maximum, Dupont. Vous auriez un maximum. Lancelot. Quoi? On pourrait peut-être le confronter avec les deux autres. Mais oui, Geoffroy, mais bien entendu. Mais à quoi crois-tu que je pense, non? Mon métier tout de même. Raymond! Oui, commissaire. Ramenez-moi le moine et mademoiselle Dubois. Bien, commissaire. Je dois rester là, commissaire. Oh ben oui, monsieur l'étrier, restez toujours, on ne sait jamais. Ah ben c'est que j'ai différentes visites à rendre aujourd'hui. Et si ma présence n'est pas vraiment indispensable... Oh, un petit instant, je vous prie, ça ne sera pas long. Bien. Entrez donc, je vous prie. Sylvestre. Ne craignez rien, Monique. Un simple malentendu, je vous l'assure. Et ça va s'arranger. Sûrement, Dupont, sûrement. Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour ça, hein. Monsieur Lemoine. Voulez-vous répéter votre récit, je vous prie? Mon récit? Oui, le récit de la scène qui s'est passée chez vous ce matin. Ah, eh bien, je les ai trouvés tous les deux en rentrant du Vésinet. Nous avons eu une discussion et vous êtes arrivés, voilà. Que? Ah non, mais pardon, il y avait autre chose, je crois. Dupont et cette femme vous ont menacé de mort parce que vous ne vouliez pas entrer dans leur combine. Quoi? Oh, tu n'as pas osé raconter une chose pareille, Bernard! Parlez, le moine. Je ne me souviens plus très bien. Oh! Vous vous souvenez plus?
Vous ne voulez pas dire que vous êtes payé ma tête, vous aussi, par hasard? Je voudrais dire que j'ai comme une absence, commissaire. Oh! Attends. Monsieur l'étrier, avez-vous entendu un de ces messieurs menacer l'autre de mort? Ah, parfaitement. Bon, lequel était-ce? Je ne sais plus, moi, il faisait tellement de bruit, tous les deux, mais c'est Dupont qui avait le revolver. Oh, Bernard! Bernard! Allez-vous vous taire! Hein? Oh! Vous vous fichez par la fête, moi! Tous! Raymond, allez me chercher les deux autres. Bien, commissaire. Peut-on savoir qui sont ces deux autres? Ah! Vous n'emmenez plus large, hein, Dupont? Ce sont deux vieux amis à vous, Dupont. Vous serez sûrement ravis de les revoir. Vous avez toujours besoin de moi? Oh, mais voyons, vous n'allez pas manquer le final, monsieur l'étrier. Quant à vous, le moine, vous vous dégonflez, en somme. Oh, comment... Vous avez tort, ça ne vous mènera pas loin, je vous préviens tout de suite. Allez, entrez, vous deux. Ah allez, Laissez-moi vous présenter mes deux ténors favoris, Lucky et Riton, youpi. Mais vous vous connaissez déjà, sans doute. Alors là, chapeau, commissaire, chapeau. Oui, ils vous ont aussi cravaté, patron. Je vous avais dit qu'on n'aurait jamais dû se mettre dans ce coup-là. J'en niflais la calamité, moi. Alors, Dupont, pour vous, c'est le coup de grâce, pas vrai? Attends, Lancelot, attends. Quoi? C'est pas Dupont que Riton appelle patron. Comment? Mais c'est qui, alors? Aussi bizarre que ça puisse paraître, je crois bien que c'est ce bon monsieur l'étrier. Monsieur l'étrier? Oh, mes compliments, Riton. Pour les gaffes, on peut vous faire confiance. L'étrier n'a pas téléphoné à sa sœur à La Rochelle, mais au Havre, à un hôtel où loge Kukovitch, un receleur et retailleur de pierres notoires. Il voulait lui confier sa prise. Mais il avait donc ouvert sa boîte ce matin, inspecteur? Mais parce qu'il n'a pas le téléphone, précisément. Après la catastrophe d'hier soir, il attendait des nouvelles de ses complices. Il espérait que l'un d'eux lui glisserait au moins un mot dans sa boîte. Alors vous imaginez sa tête quand il a trouvé le trésor disparu. Et il a voulu aussitôt téléphoner à Kukovitch pour que l'autre vienne en vitesse prendre livraison de la marchandise. Ainsi, nous avions un chef de gang comme voisin de palier. Tu m'avais pourtant assuré que la maison était bien fréquentée, hein, Bernard? Oh, je t'en prie, hein, je ne suis pas en train de rire. Oh, excuse-moi. Mais, voyons, d'après ce que j'ai entendu, tu as essayé de nous faire passer pour des gangsters, Monique et moi. Oh, Bernard, tu as vraiment fait ça? Oh, la vache. Hein? Qui ça, Lancelot? Mais l'étrier! On vient seulement de retrouver les diamants chez lui, il est bientôt 10 heures du soir. Enfin! Ah, voilà toujours une histoire réglée. Oh, tu parles? À présent, il faut que je fasse mon rapport, et j'en ai pour la nuit. La deuxième nuit que je passerai sans fermer l'œil. Oh, il me prend des envies de changer de métier, je te jure. Quoi? Excuse, commissaire. Quoi, qu'est-ce que je voulais encore, vous? Savoir si nous pouvons disposer, commissaire. Oh oui, on les disparaissait, hein, et ouf! Oh, merci, commissaire. Merci, oui. Eh ben, vous voyez, Monique, je vous disais bien que le destin veillait sur ma famille. Commissaire, je vous promets de me faire faire une carte d'identité dès demain à la première heure. Ben, vous avez intérêt, hein, car j'aime autant vous dire que si je vous laisse en liberté, vos ennuis administratifs ne font que commencer. Je veillerai moi-même à ce qu'on vous ait à l'œil. Et quant à vous, le moine... Vous vous êtes ouvertement payé ma figure. Oh, mais de quelle façon, commissaire? En me faisant croire que Dupont et Mademoiselle Dubois étaient coupables. Alors, faux témoignage, port d'armes prohibées, menace de mort. Oh, parfaitement! Je vous garde, mon garçon. Vous me gardez, moi, oui. Et vous les laissez partir, eux? Eh ben, quoi qu'on dise, il y a tout de même une justice, Bernard. Dupont, je crois vous avoir déjà dit de disparaître. Vous venez, Sylvestre? Oui, je viens, Monique. Allons, Bernard, allons. Nous irons te porter des mandarines. Allez, bonsoir, inspecteur. Sans votre perspicacité, le commissaire allait commettre une grosse erreur judiciaire. Merci. Mais je vous en prie. Merci. Dupont! Oui? Dupont, si vous êtes encore ici dans un centième de seconde, je me fiche par la fenêtre! Oh, allons, commissaire, croyez-vous que ce serait une bonne façon de commencer la nouvelle année?